Haïti Fresh Sem, gros coup de chapeau pour nous toutes. Nous comptons rejoindre nous une autre fois encore sur Channel Poland, TAC 509, tout Haïtien connecté. Dans l'émission, mon éditorial avec Yannick, n'a continué pour tes informations pour vous, n'a continué brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. Haïti Fresh Sem, gentil proverbe créole lundi, mené couleuvre à l'école, c'est une, fel chita, c'est deux. Après plus que deux semaines, Conseil présidentiel transition installé tête comme pouvoir exécutif en dedans pays, eh bien, yon pas qu'on jamais mesure pour yon délivrer rien comme marchandise. Communauté internationale qui suivre, pays États-Unis qui n'en rond Saint-Lan, eh bien, li font si pas coûte, non moment n'a pas parlé à la, by OEA, qui c'est Organisation État américain. Qui disposition OEA prend, qui ça yon décide, sous qui chantier yon même, yon décide commencer travail, nous pral ba ou tout détail yon a bon timamite, rete connecté. Conseil présidentiel a décidé, yon a attaqué gouvernement de facto Ariel Henry la. Gros coup de mato tombé dans tête premier ministre intérimaire là, Patrick Michel Boisvert, qui sa bagay lanye, ou pral gagner tout détail yon. Plusieurs structures politiques qui gagnent représentants en dedans conseil présidentiel là, yo pété coquin. Eh bien compatriotes haïtiens fraîcheur, pas caché diou, eh bien nous gagnons Fritz Alphonse Jean, une conseiller présidentiel yo qui mettait griffli dehors, qui mettait col dehors pour envoyer gros message by tout peuple haïtien et surtout monde qui préparait pour déstabiliser conseil présidentiel transition. Cause yo pas pitié, pour pral gagner tout détail ça yo dans bon timamite. Compatriotes haïtiens fraîcheur, plus que deux semaines après, c'est pas de ça nous espérer, c'est pas de ça nous souhaiter, mais nous ouais réalité à acteur politique dans la coupe pays d'Haïti, c'est pas ça fait pays yo vinn régler, mais plutôt c'est intérêt mesquin yo, chaque besoin mettre moun pa yo dans poste premier ministre, chaque besoin mettre moun pa yo dans diplomatie yo, chaque besoin mettre moun pa yo dans direction générale yo, et bien bataille pour pouvoir continuer dans mitan conseil présidentiel transition. Dans une correspondance qui arrive à joindre nous, eh bien, je n'ai pas gardé avec moi là, compatriote haïtien fraîcheur, nous gagnons collectif des partis politiques du 30 janvier. Eh bien, yon même qui voyait, yon lettre tout louri, yon lettre sale, sale, nous connaissons, by Edgar Leblanc-Fils, qui est coordonnateur conseil présidentiel transition. Côté, yo mette, yo kasse mette nan men Edgar Leblanc-Fils, yo corrige ka Edgar Leblanc-Fils, ki li même al participe, al vote, al bay green vote palan, nan yon mascarade que conseil la décide fè pou bay avantage avec Fami Lavalas, pou bay avantage avec Akor Montana, pou bay avantage ak secteur privé a. Alors que te getan gen yon bloc majoritaire indissoluble qui mette campé. Nan lèp tout louvri sa, compatriote haïtien fraîcheur, et qui ta pral vraiment créé yon situation difficile entre Edgar Leblanc-Fils avec signataire collectif 30 janvier, qui est sur yon, nan gade moun ki si yon correspondance si la, nou gen Ibler Rebugré, nou gen Anakasi Jean-Hector Lapin, nous gagnons Ketel Jean-Philippe OPL, nous gagnons Jean-André Victor qui signe pour Mopod, nous gagnons Liné Balthazar qui signe pour PHTK, nous gagnons Clarence Renoir qui signe pour Unir Haïti. Y aurait été quoi? Et démagogie ça qui a fait en dedans conseil présidentiel transition. Côté que M. Damio yo Antonio à l'unanimité, tout le monde voté. Pour yon al fè chaise musicale, ti pas koute, on question et président chaque 5 mois a changé, on question de vote 5 sur 7, alors que c'est pas ça que te dit dans accord qui te signé 3 avril, dans entente qui te joint 3 avril. Et bien, compatriote haïtien fraîcheur, différents représentants structure politique sa yo, yo mette griffe yo de yo, yo sermenté bien, ou ça pas passé fort conseil présidentiel là ta retourner sous décision yo dans intérêt pays puisque là yo ouais c'est intérêt particulier c'est intérêt mesqué chaque groupe a défendre donc là nous ka comprendre
compatriotes haïtiens frères et sœurs, ça qui passe dans le conseil présidentiel là. Dès le départ, il y a plus de monde qui était en well, mais nous te voulons bailler le bénéfice du doute parce que comme yo t'ai entendu, yo t'ai dit, yo qu'arrivé pour tes solutions. Yo qu'arrivé délivrer marchandise, si nous te bailler on sent premier jour au moins pour nous te voir comment nèg yo t'a parlé, qui ça t'a fait. Mais nous connais, j'ai un petit proverbe créole lundi. Chèk volos et pas jamais oublier métier. Nous connais dans politique en Haïti, nèg ka fait politique. Comment c'est toujours intérêt personnel yo fait passer avant intérêt pays. Donc nous vinn trouver nous dans situation extrêmement compliquée. Mais comme bagay yo, comme gens politique la fait en Haïti, en compatriote haïtien frères sœurs, c'est toujours un petit groupe moun qui profite de lui. Mais jou système nan changé, jou Haïti aller sous rail stabilité, sous rail progrès, sous rail développement. Jou bon exemple qui rive tracé nan mitan classe politique là, nan mitan secteur mafia, secteur économique mafia en dedans pays yo. M'ba ou garanti le sa, n'a ka parler de Haïti suivant ça nous fait déjà à travers l'histoire. Compatriote haïtien frères sœurs, on nous a fait un petit coup de pied avec moi. Dans pays Salvador, côté Nayib Bukele, Nayib Bukele lui-même compatriote haïtien frères sœurs, lui-même c'est exemple à tracer sur voler qui dans secteur et politique là. Moun qui rentre dans l'état pour aller voler, pour aller faire corruption. Je n'ai pas gardé la compatriote haïtien frères sœurs, n'a pas gardé des séries de grands commis de l'état. Moun qui ont même été occupé des séries de gros fonctions dans l'état. Comprendre, yo te gen gros poste de responsabilité nan men yo, mais yo pas choisi faire l'autre bagaille que voler, yo pas choisi faire l'autre bagaille que détournement de fonds publics, faire corruption, faire favoritisme. Comprendre, yo rentre dans l'état c'est pour vinn prendre avantage, vinn tirer profit, faire coup de bas, coup mal taillé en battable. Et bien mes rodé yo, dans premier mandat Nayib Bukele, Nayib Bukele qui lui-même comprendre qui ça veut dire une transition de rupture. C'est pas ça nèg sa yo a vinn di transition de rupture et puis l'on a gardé transition de rupture là c'est cadavre politique yo ressuscité. Non non, c'est pas ça. Nayib Bukele te comprendre gouvernement administration qui montait avant yo. C'est langue yo te vinn tété avec corruption. C'est corruption yo te vinn bay jarrette, c'est voler yo te vinn voler, c'est favoritisme yo te vinn faire et bien l'on monte qui ça le fait. Premier mandat là, li traqué bandi ak sa pat yo. Li traque gros cartel yo, li traque groupe gang yo, mette yo en côté, fait gros prison pour mette yo. Et bien notre deuxième mandat le prend là, montel dit voilà. Comme c'est nous même qui gang à cravate, comme c'est nous même qui gang à col blanc, et bien kounya m'a privé sous nous. M'a privé sous nous politiciens pas épargné. Moun nan secteur privé pas épargné. Depuis ou nan corruption, depuis ou nan financer gang ou nan financer bandi, mais place ou, gade ti papi a tête en bas, li rot. Ki le nap gon pays, kote ma pwe André Michel la, kote ma pwe Edmond Suplice Bozil la, mafia politique yo, mafia économique yo, ma pwe la, moun ka financer gang yo, ma pwe yo la, kote ki le. C'est pour ça nap bataille, pour gen exemple qui trace nan pays a compatriote haïtien frères sœurs. Là, on a regardé pays occidentaux, États-Unis pour États-Unis là, c'est violation droit moun. États-Unis d'où c'est persécution politique. Mais Nayib Bukele qui voulait tracer exemple la Kaili, qui voulait mettre l'ordre dans des zones la Kaili, l'a fait ça le supposé faire, Jean supposé faire là. Et puis la paix pays la clean. Salvadorien a pral on souffle. Nous-mêmes dans pays d'Haïti, gè des série de cadavres politiques. Gère série de vieux rat nan politique là. Yo te ka toujours vieux rat politique. Pas de problème avec un moun qui a 30 40 ans fait politique non, mais fait bon politique, c'est pas politique sale senti du, c'est pas politique criminel, c'est pas politique contre déstabiliser un pays parce que c'est intérêt personnel. C'est ça le problème non. C'est pas une question qui a 30 ans sous scène politique là, 40 ans non non. C'est que moun sa yo qui a 20 ans, 30 ans, depuis longtemps c'est politique sale yo a fait. C'est bagay criminel yo y a réglé, c'est couverture yo vin chercher dans politique là. C'est sac poison aux compatriotes haïtien frères sœurs. Journée jodi an, au conseil présidentiel qui doul vin faire en transition de rupture. Mout l'homme qu'on a gardé journée jodi an là, on Claude Joseph qui était konn camper Cap Dou, li vle pou gon Haïti
dans le niveau passé Haïti, dans le niveau glorieux passé haïtien. Et je ne j'ai dit à aider rentrer dans le collège présidentiel, dans le conseil présidentiel, et puis mais qui ça y a promettre comme résultat? Mais qui ça y a promettre comme résultat? Donc tout discours ça y a, c'est ton démagogie. Tout discours ça y a, c'est ton lavage de cerveau que tu as fait dans la population, pour la population te ka accepte, pour la population te ka adopte structure politique de ya. Même jeune ou jeune paquet l'autre nèg journée jodi an la ki an dedans collège ki konn a bat l'estomac yo, c'est yo même ki ka fait. Mais journée jodi a devant réalité a fait yo te font bagay, c'est hingang, c'est division ki gen entre yo, parce que yo pa k'arrive entendre yo pou peyi a. Yo pa k'arrive entendre yo comment yo pral délivrer marchandise pour au moins pour population te k'arrive ralon souffle pour te ka gon aller mieux. Cause yo pa piti. Compatriotes haïtiens frères chèm, bataille qui gagne dans moment là entre équipe Ariel Henry à conseil présidentiel transition hein? Et n'a regardé avec moi poste là. Eh bien nous gagné conseil présidentiel transition hein? Hier lundi hein, à travers une correspondance que vous voyez by premier ministre haïtien Patrick Michel Boisvert, eh bien yo mandé premier ministre Boisvert pour retourner sous toute nomination que yo t'ai fait jou nan date qui était 25 avril 2024 la sorti dimanche rive 25 avril 2024 compatriotes haïtiens frères sœurs gouvernement qui là qui gagne responsabilité pour liquider affaire courante là oui yo prend habitude à faire nomination depuis dimanche yo a fait nomination juste 25 avril yo a fait nomination pas oublier 25 avril c'est jour ça que conseil présidentiel là yote investi de fonction yo qui fonction point d'interrogation. Eh bien conseil présidentiel l'a mandé toute nomination ça yo font rappel mené tout moun ça yo tourner compatriotes haïtien frères sœurs tout moun yote bourré dans diplomatie hein moun yote getan meté dans OEA moun yote getan voyé dans représentation diplomatique dans Suriname dans Caraïbes blanc c'est bondé représentation diplomatique yo amoun yo fourré dans diplomatie. Eh bien conseil présidentiel l'a dit non. Al chercher yo voye tourner, al relé yo di yo tourner nous-mêmes, nous pral mettre moun pa nous pral faire affaire pa nous, nan façon pa nous. Ah, est vrai. Eh bien, mes travail conseil présidentiel. Là, gen moun ki wèl comme yo très bon bagay que yo fait. Mais très bon bagay que yo ta fait suivant des séries de déclarations position gen des séries de moun ki gagné mais pas oublier yo fait rappel là mais rappel yo fait a toujours gen moun ki pral mettre c'est moun pa yo pral mettre même gens gouvernement qui la te mette moun pa yo eh bien yo fait relé yo di yo tourner yo même yo pral vin yo pral mettre moun pa yo donc son situation autre toi que je m'y mette qui gagné retire pio bon mettre pam. C'est pas jambe en question de pays vraiment. C'est pas jambe en question de Haïti avant tout. C'est pas jambe en question est-ce que moun yo gen intégrité? Est-ce que moun yo gen compétence? Est-ce que moun yo crédible? Est-ce que moun yo honnête vrai? Mais son question de zami tay, son question de acolyte, son question de partisan, son question de ti ménage, son question de ti boubout. Mais à qui ça yo réduit pays? Mais à qui ça yo réduit poste de responsabilité yo dans pays d'Haïti? Compatriotes haïtiens frères sœurs yo, conseil présidentiel là, yo publié yon note pour la presse. Pas d'une pas de connaît, hein? Pas d'une pas de connaît, nous gen note là devant yeux nous là. Eh bien, note ça qui pote signature Edgar Leblanc fils comme coordonnateur général conseil là. Eh bien, li sorti hier qui était 13 mai 2024 là. J'en ai constaté là avec moi là, eh bien note si là li gagné et 5 paragraphes là dedans. Oui, il y a 5 paragraphes. Et il décrit réalité qui a tracassé la population journée jodi an. Côté, et pendant le week-end qui s'est passé à la, les gens qui prend la commune et Grecier, ils ont envahi la commune Grecier, prend le commissariat, attaqué la population, moun ap kouri, sans yon pa gen aucune destination, par contre, côté, yon pral. Et bien, le conseil présidentiel a estimé son situation qui est difficile. Yo pa vle fè jan Ariel te kon fè a, et bien yo même yo réagi, yo pote toute sympathie yo bay population, bay la police, et yo commencé à chercher, gade ki sa ki ka fèt, ki décision ki ka pran avec la police, pou kwape gang yo.
Mais gros bagaille qui est extrêmement important qui intéresse dans le deuxième paragraphe là. Gros façon conseil là tellement là toute responsabilité sécurité et pays a sous compte blanc sous compte étranger son bagaille phénoménal. Qui ça qui dit dans deuxième paragraphe là dans fin deuxième paragraphe là et dans dernière idée. On nous garder avec. Qui ça qui dit là-dedans? Non sans ça, Conseil présidentiel transition hein, bail population hein, garanti nan yon tan ki pa long pral suspend, nan yon tan ki pa long bandi pral suspend fè la loi sou koyo nan kayo nan katye yo nan vil yo ak nan peyi ya. Sa vle di ki sa, nan yon tan ki pa long bandi pral suspend fè la loi sou corps population hein, sou corps peuple haïtien, ça veut dire ap suspend agresser nous, y ap suspend faire nous courir quitter kay nous, etc etc. Pa bliye non autant ki pa long, toute disposition gèt pran pour force multinationale là déployer dans pays ya. Pour policiers étrangers, pour militaires étrangers débarquer dans la coupe pays d'Haïti, vin porter support avec la police ak la médaille d'Haïti pour combattre gang, pour combattre insécurité. Moi même franchement l'homme li note là mal tombé sous petit partisan, me dit moi non. Me dit ça c'est pas position autorité moun qui dit on vient changer condition, ça c'est pas position yo doit prendre. Nous pas doit montrer visiblement clairement que ça gien pour faire travail qui gien pour faire responsabilité qui gien pour prendre, c'est moun dehors qui prend pour nous, c'est moun dehors qui doit prendre pour nous, c'est moun dehors qui vinn prendre pour nous, pas fait sens. Alors ce que nous dit nous engager nous pour nous résoudre problème pays. Là le étranger a vini li monte là là les matissan là le pété balle avec gang iso gang 5 secondes li allé badelma li allé la tibonite li allé quoi des bouquets kounya ki figou pral vini pour di population nous résoudre problème insécurité a ki la nous font bagay nous font bagay c'est le responsabilité nous gagne nous pas comment on te ka di ça nous pas bail li avec l'autre moun. Nous pas prendre pour nous mettre sous dans l'autre monde pour résoudre problème que nous-mêmes nous t'avons résoudre. Et malheureusement nous avons pas qu'être politiciens là tout ça yo entendre yo pour yo fait. Yo entendre yo pour yo assassiner président Jovenel Moïse, yo abouti. Mais yo pas qu'à entendre yo après assassiner président Jovenel Moïse pour yo arriver gérer pays là. Pour yo arriver pour ton solution avec problème population et c'est ça qui plus grave dans tout ça qui passé en dedans pays là. Compatriotes haïtiens frères et comme conseil présidentiel transition, il y a pas qu'à arriver en temps pour y faire. Il y a pas qu'à porter solution avec problème qui plus basique yo nan moment là. Eh bien, nous gagnons, compatriotes haïtiens frères et nous gagnons et OEA qui lui-même y a gagné temps en temps là pour y prendre toute disposition. Pour yo garder comment yo pral faire élection dans pays ya. Ça que t'a dit journée jodi an là pour n'a parler de élection dans pays nous et puis après c'est étranger. Ou après c'est étranger oui qui a planifié loi électorale, qui a planifié qui les élections pral faire et comment élection pral faire. Là n'a pral li pour nous n'a garder ensemble visite de la Commission européenne pour la démocratie et pour le droit à l'OEA, aux États-Unis. La Veniscom doit analyser le cadre législatif des élections en Haïti et identifier des solutions législatives qui pourraient servir de base à la conduite du prochain scrutin en Haïti. Nous avons une Commission européenne pour la démocratie avec droit qui monte aux États-Unis, qui a rencontré avec et responsable OEA, qui a rencontré avec Luis Almagro. Nos soucis pour yon préparer, pour yon garder comment cadre législatif la karive mette kopé, pour yon préparer élection dans le pays. Yon yon cherche des solutions législatives qui kamene nous vers des élections. Kounye a, si nous te gon pays sérieux là, nous te gen yon bagay sérieux qui ta fait dans le pays. Yon. Si nous te gen des dirigeants sérieux qui comprennent yon gon pays, yon gon responsabilité, est-ce que c'est OEA? Est-ce que c'est Commission européenne dans la question démocratie avec état de droit, est-ce que c'est eux-mêmes qui t'a gagné
responsabilité si là pour planifier élection, pour garder cadre légal qui suppose mettre campé pour organiser élection dans pays là. Yo pas considérer Haïti pour propata, te pas regarder pays là pour rien, yo pas prendre nous pour rien parce que moun nou gen dans tête pays là, nous même comme haïtiens comme citoyens nous pas considérer yo comme propata. Nous pas regarder pour rien. Parce que son paquet de petits moun qui vient prendre dicter, son paquet de petits moun qui vient prendre l'ordre yo. C'est pas moun qui ka camper réellement pour décider de par eux-mêmes qui ça pral faire pour pays, qui ça pral faire pour peuple haïtien. Le pour yo faire ça qui mal yo entendre yo, mais le pour yo arriver délivrer marchandises pour intérêt population, yo pas ka entendre yo. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous gagnons et youn nan conseiller présidentiel yo. Nous avons Fritz Alfonso qui a baillé les détails. Est-ce que c'est sous pression? Est-ce que c'est sous intimidation le fait qui s'est passé? Joune jodi an la, qui message Fritz Alfonso a gagné pour les gens qui prétendent qu'ils ont déstabilisé le conseil présidentiel là et arriver à installer l'autre monde dans le pays? Est-ce que le bon message pour les examens, les compatriotes haïtiens frères sœurs, en attendant et qui ça, Fritz Alfonso lui-même, l'étape? C'est pas que moi un petit peu mais zen, c'est pas ça non président, mais quand acte opposé dans week-end là, la, plus on a posé cette question, c'est un acte plus ou moins je dirais surprenant, c'est pas bagarre qui fait souvent ou retirer corps pour bailler un autre monde place ou comme pour venir soulever coordonnateur ou bien président du conseil. Qu'est-ce qui motive pour qu'ils soient fait ça et donc, comme dit, on action composée, mais qui surprend un peu le monde. Pour qui ça? Et bon, surprise là, je ne vais pas trop comprendre surprise là. Peut-être une mauvaise compréhension de qui ça conseille là. Et mauvaise compréhension, ça, ce n'est pas seulement pour le monde qui est en dehors, pour le public là, mauvaise compréhension, ça tout. C'est pour le secteur qui veut aider le monde dans le conseil là. J'ai l'impression, je n'ai pas réalisé que le président, c'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision qui peut le prendre dans le conseil là, il peut le prendre en concertation. Donc, il faut un consensus. Sinon, si nous avons un consensus, il faut nous gagner une majorité de 5 sur 7 pour les décisions les plus importantes. Donc, ça veut dire, les gens qui peuvent participer, les gens qui peuvent jouer le rôle de coordonnateur conseil là, c'est son rôle de coordination que le palier, son rôle de représentation des fois que le palier. Mais en fait, le président, la présidence, c'est le conseil. Donc, le rôle que vous pensez que le président va le jouer là, et c'est pas rôle ça, c'est pas rôle traditionnel là. Sont l'autre rôle que le président va jouer. Donc, nous-mêmes, nous disons. Donc, ce n'est pas sept présidents, mais on structure. C'est le conseil qui est le président. C'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision supposée prendre, soit par consensus, soit par la majorité de 5 sur 7, si le gain de décision, et puis par la majorité simple, le gain des décisions qui sont moins importantes. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que sous tes présidents là, et que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de privilèges, permettre que je joue un petit morceau dans le privilège, un petit morceau dans le gâteau, parce que c'est vous le président du conseil. Non. Non, privilège, oui, Wendell, c'est que comme économiste, nous, avec Jean-Jules, nous avons toujours le privilège que je viens de dire comment la situation économique a évolué dans le pays. C'est ça. Et j'ai une question pour vous dans ce sens-là. Alors, c'est une façon de parler. Et, alors, question m'a posée sur ça, justement. Avez-vous obtenu, M. Fritz Alphonse Jean, l'autorisation de Montana, qui c'est le groupe qui désigne Ola, avant qu'on ait désisté comme coordonnateur, pour une coordonnateur en deuxième position, après Edgar Leblanc-Fils. Non, pas de autorisation. Et d'ailleurs, Montana qui voulait me là, j'ai été élu, c'est parce que je fais confiance dans la décision que je parle au sein de ce conseil. Et non, c'est après coup que me dit Montana. Et d'ailleurs, et il y a des Montana qui a la radio qui dit que je comprends que tu es en situation de blocage et que justement, le mandataire. Oui, mais c'est pas vous le blocage quand même. Excuse-moi. C'est pas vous-même qui était à la base du blocage. Non, mais c'était une situation de blocage. Donc, Montana lui-même, justement, le mandataire de Montana, et facilité son solution à situation de. On dit en situation de tension par rapport à la question ça là. Parce que nous étions fini d'accord que c'est. On connaît que c'est pas facile, on connaît que c'est pas dans nos habitudes. Eh bien, justement, on l'a pour nous apprendre, changer d'habitude. Il me pensait que c'est ça qu'il fait là. Est-ce que le type, lui, de son côté, avait. Vous avez demandé de lui passer votre place? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Tu as gagné une sorte de pression qui t'a exercé, une sorte de tension dans le conseil là. Et que nous-mêmes, nous disons, au lieu qu'on allait dans 5, on a prêté dans 4 là, parce que tu as une décision que nous prenons déjà pour ces 4 coordonnateurs qui gagnent au cours de période de 2 ans.
Donc, comme il a eu des difficultés, dans ce sens-là, on dit non, non, non. On a toujours été à quatre, moi-même, je n'en fais plus partie. Pas de reproches non plus de la part de vos proches? Non, le proche, c'est Mondana. Mondana, allé à la radio, il dit que t'es une difficulté au niveau de conseil-là. Le délégué, le mandataire de Mondana, c'est lui-même qui débloque la situation. Au contraire, il n'y a pas eu de reproche. Est-ce que les relations se sont améliorées entre Mondana et vous? Oui. <C'est>... Écoutez, et positionne sur question-là. Mondana, son mosaïque, il nous dit plusieurs fois déjà. C'est normal pour te gagner une divergence par rapport à l'appréciation d'une situation, des situations, d'une situation à l'autre. Donc, bien sûr, qu'on y a là, il y a des situations améliorées. Situation, t'es toujours bonne. T'es toujours gagné des discussions, t'es toujours gagné des tensions. Pour moi, la situation est toujours bonne. Monsieur Fritz Alfonjean, et. En attaquer les grands les chantiers qui vous attendent au sein de du conseil, mais ça capte nous. D'ailleurs, il y a un baptême de feu nous le week-end ça. Et moi imaginer peut-être me ca trompé moi que la sécurité prend lieu dans premier secteur que nous va l'adresser, que nous va l'attaquer. Je dis que nous avons un baptême de feu, non, c'est que bon commissaire qui est tombé sur Réine Panon. Et comment on peut l'arranger non, là, pour le peuple haïtien commencer à respirer, circuler, reprendre goût à la vie? Et très bien. Évidemment, bon commissariat qui est tombé, bon reprise de commissariat qui est faite. En effet. Donc, c'est pour nous-mêmes, c'est justement c'est ça que nous avons gardé. C'est même gens qui ont un problème au niveau de essence, distribution de gasoline, si nous, ça reprend. Donc, pour nous-mêmes, il y a des barrières qui ont fait tranquillement. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre le commandant PNH, là, le directeur général de la PNH, plusieurs rencontres qui sont faites avec le chef de l'armée, pour nous assurer nous qu'il y ait une compréhension de la situation globalement, mais pour nous assurer nous tout, pour nous comprendre qu'il y a besoin qu'il y ait au niveau de deux institutions de force publique, ça, voilà. Et c'est ça, il y a des discussions qui a poursuivre dans ce sens-là, mais surtout, ça que nous avons gardé, c'est garder comment une amélioration supposée faite dans, si tu veux, dans la vie au quotidien de policiers, et surtout, dans la question de équipement, dans la question d'accompagnement, dans la question de vetting. Donc c'est tout ça que nous avons gardé ensemble. Mais par rapport à la question de sécurité, au niveau de l'accord que nous signons, il y a une instance que nous avons, le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mise en place, la fête qu'on y a là, pendant qu'on a parlé, discussion, la fête entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ce conseil, ça, si vous voulez, qui parle interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui supposait dans le pays accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous que nous avons l'autre environnement que nous avons installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui s'est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si nous avons une mission que le conseil ça a justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Est-ce que le conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec qui yeux nous voyons ça? Nous pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement ça. Côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec timoun qui violent dans la situation. Ça. Nous n'avons pas de mot pour ça. Le mot qui gagne, c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous avons vécu là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous avons vécu là, c'est un chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel, qui tombe sur la terre. Le chaos, ça, le construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. Nous avons parlé de gens qui ont assuré la direction du pays. Tout. Qui était dans la construction chaos. C'est des gens tout, c'est des gens qui sont dans le secteur privé tout, qui t'a pas encouragé ça. C'est des gens que nous appelons des entrepreneurs politiques, c'est des gens ça, voilà, qui créent un environnement. Ça. Ils créent un environnement ça pour plusieurs raisons. Environnement ça, et c'est des gens qui sont dans le trafic de drogue tout, qui créent un environnement ça. Si vous voulez, chaque monde, ça, voilà, chaque acteur, ça, voilà, il y a des raisons particulières. Pour le trafic de drogue, là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé de saut de Colombie, entre Haïti, à la République dominicaine, et puis atterri et Miami. Et évidemment, il y a l'autre route qui sortit dans le sud, il y a l'autre route qui sortit dans la Tibonite, qui est dans le nord. Donc, il y a une série de routes consacrées sécurisées avec environnement d'insécurité, ça qu'on a vu dans le pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État,
l'État est totalement dépecé de toutes ressources. Donc l'État devient incapable pour le tekabaye service de sécurité, de santé, d'éducation en d'un pays. Donc des mondes qui gagnent affaires, qui gagnent des business, ils ont besoin de protéger les business. Des fois, ils ont obligé, des fois, c'est des mondes intentionnellement qui font ça. Donc si vous voulez, son mélange de tout ça qui est une situation de chaos que nous vivons en d'un pays. Donc en d'un pays. Donc qu'on y a là. Et pas qu'il y a des mots pour nous dire pour nous qui créent violence, ouais, nous dit mon yo. Et Haïti, non kafou extrêmement important. Haïti, non kafou côté que nous pral changer de cap. Il y a des mouns qui pral engager dans le changement ça, que Haïti pral est là. Il y a des mouns probablement qui pral camper en face changement ça. Mais changement ça a fait avec ou sans yo. N'a pas un temps pour nous gagner un premier ministre? Non, mais c'est dans 2 semaines, d'abord, Premier ministre. Dans 2 semaines. Mm-hmm. Où est-ce que nouvelle de Ariel Henry? Non. Qui côté lié? Ou pas connaît? Non, je ne connais pas. Moi, sur les réseaux sociaux, que Los Angeles, Californie, quelque part, mais je ne connais pas. Mais nous avons une idée déjà, nous-mêmes, en tant que dirigeants actuels, de ce qui est passé à Ariel Henry, qui ne veut pas atterrir Saint-Domingue, qui retourne à Porto Rico. Nous avons un compte rendu, un rapport sur ça? Non. Non. Ça que nous avons, par contre. Et Ariel Henry a eu une chance pour discuter avec mon ami dans le pays. Il ne l'a pas fait. Et puis, mais c'est tout haïtien qui a ça. C'est pas Ariel Henry, non? Nous comprenons le temps avec nous. Et le temps n'est pas avec nous, surtout dans le pays qui a crasé comme ça. Là. Donc, il aurait pu négocier depuis, on est 2 ans, 3 ans, négocier avec des gens. Il ne l'a pas fait. Et puis, voilà. Situation dégradée. Et puis, bon, évidemment, sans humiliation, pas pour Ariel Henry seulement. Il faut que nous comprenions ça. L'humiliation que moi là, c'est une humiliation pour le pays. Nous t'apprenons, puisque forme finie, concéder aux 2 minutes pour dire tout ce que vous voulez dire à la nation haïtienne qui, d'abord, pas qu'à attendre longtemps encore pour ouais, que nous, du Conseil, nous passions de la parole aux actes. Et même autant que faire se peut, monsieur le conseiller président, et faire naître l'espoir. Il y a plein de monde qui souhaitait ça, il y a plein de monde qui souhaitait retourner, il y a plein de monde qui souhaitait vivre, il y a plein de monde qui souhaitait circuler. Je dis 2, on mettait la 3, parce que Fabrice Mette Studio à volonté de M. Fritz Alphonse. Merci, Mandel. On va parler avec tout citoyen qui est dans le pays, un citoyen qui est en dehors du pays. On va parler avec le monde dans la diaspora qui t'a aimé vivre dans le pays, pas seulement pour visiter, mais qui t'a aimé travailler dans le pays. Là, nous avons une nouvelle structure qui mettait en place, c'est le conseil présidentiel. Là. Conseil présidentiel, là, ça que nous avons regardé, nous pensons que nous avons un carrefour extrêmement important dans l'histoire du pays d'Haïti. Ça que nous avons fait là, nous, chacun dans le conseil, ça, c'est chaque pas que nous faisons, c'est une page d'histoire que nous avons écrit. Page d'histoire, ça, comment que nous voulons écrire? Nous voulons écrire par rapport à une feuille de route que nous avons. Et dans la feuille de route, ça, priorité, nous, c'est question de sécurité. Et sécurité, il y a la base d'un pile bagaille. Il y a la base du fait que vous avez une série de produits qui a péri, par exemple, dans la province. Et là, on a parlé de questions d'agriculture. Là, on comprend que c'est seulement à regarder comment pour faire mon produit, comment pour faire mon vendre. Mais pour mon vendre, le fin produit, il faut que vous ayez calories. Donc, il y a une priorité, non, justement, par rapport à la question ça là. C'est assurer nous que il y a une sécurité qui établit dans le pays. La sécurité, ça, il peut l'établir non seulement pour permettre que nous dégager, nous arriver en environnement pour permettre nous faire des élections, mais son sécurité tout qui t'a supposé permettre nous garder jeunes garçons avec jeunes femmes ça va. Qui dans le territoire, que nous avons les territoires vulnérables, ça va, que des mouns en d'un pays mettent des âmes dans le pays, que ce soit pour trafic de drogue, que ce soit pour trafic d'organes, que ce soit pour privilèges, pas yo, et surtout des mouns qui ont gardé bassin de citoyens, ça va, comme des bassins d'électeurs, que vous pouvez payer 1000 gouttes, 2000 gouttes pour aller voter pour eux. Nous dit que le conseil présidentiel, ça, que nous-mêmes nous faisons partie de l'IA, son conseil présidentiel qui dit que nous avons cassé avec pratique, ça va là. On a fait mise en place institutionnelle, mise en place légale, judiciaire, pour Haïtiens en dans le pays. Haïtiens qui de leur pays, qui viennent vivre en dans yon Haïti, et yon Haïti qui promettent une création de richesse, mais création de richesse pas seulement pour un petit groupe, création de richesse pour tout petit pays d'Haïti. Parce que le pays, c'est pour nous tous que lié. Richesse qui est supposée créer, est supposée pour nous tous. Merci en pile. Et voilà, compatriotes haïtiens et frères, nous sommes gardés, nous tendons tout bagaille. Monsieur le Président, Son Excellence, Fritz Alphonse Jean. Mon Dieu, tellement aimé l'heure et le président. Franchement, monsieur ça, on a conseil présidentiel. L'homme qui est prêcheur, on pense vraiment, c'est le vrai président élu. Parce que,
comme si nous sommes pas garder fruit qui parle là et là il dit là Wendell dit président il gon petit coup d'œil il bail waouh notre tête lui me impression il ouais étoile tellement le content titre là et compatriote haïtien fait chum pour nous sérieux vraiment parce que dans bagaille pays pas ka gen rien dedans et dans bagaille pays dans penser pays dans parler pays dans discuter sur avenir plus de 11 millions haïtiens pas ka gen rien dedans pas ka gen blague. Conseil présidentiel transition hein, là yo entamé troisième semaine yo sous pouvoir après installation et nous constater yo toujours sa premier ministre, yo toujours sa gouvernement et yo pas arrivé entendre pour yo mettre en feuille de route et c'est ça qui beaucoup plus important. Et plus gros danger nous constater qui gagne dedans conseil présidentiel là, la plus gros mal est pendier Pédamoclès qui sous tête conseil présidentiel là. Ces questions présidence tournent ça. Ces questions chaise musicale qui passe coûte chaque 5 mois. Edgar Leblanc fils a fini en octobre ou pral gagner représentant RDD compromis historique là Smith Augustin qui pral monter mon quoi mandat la fini en mars 2025 question ti pas coûte ça li représente une menace pour peuple haïtien pour avenir nous pour stabilité nous dans pays là parce que là conseil présidentiel là dans l'ensemble yo pas arrivé dégager en feuille de route puis yo dit mais qui ça nous gagne? Oui, c'est vrai, on gagne et plusieurs chantiers on dit on prend le travail sous lui. Mais côté feuille de route là, côté feuille de route collective là, pour on dit ça c'est idée, ça c'est cheval de bataille conseil présidentiel transition. Là même entre yo prend vinn gagner un challenge. Même entre yo prend vinn gagner on course contre la montre. Pour qui raison pral dire? Nous gagne Edgar Leblanc fils là. Tant ça qui a passé là, c'est Edgar Leblanc fils qui a boulé comme conseiller président. Comme président des présidents. Si 10 octobre, Edgar Leblanc fils est arrivé, il pas arrivé à mettre en premier ministre, il pas arrivé à mettre en gouvernement, premier échec, c'est Edgar Leblanc fils qui a cassé dans le. Et c'est ça qui fait assurer que, il y a un petit passe-coup de ça qui fait. Parce que Edgar Leblanc fils, s'il pas arrivé, prendre des décisions imposantes qui ont au moins montré. L'on garde réalité, l'on garde quotidien malheureux, au moins moun yo ka respire, moun yo ka circule, bon semblant de sécurité qui rétablit, la vie chère diminue, etc. Si Edgar Leblanc fils pas arrivé, au moins dégage grand ligne sa, yo compatriote haïtien fè chèm. Edgar Leblanc fils met tout rentre tête li nan cause politique, parce que c'est pi gwo échec li pral konnen. Parce que tu choisi faire partie de un conseil présidentiel ou tu choisi faire partie de une collectivité qui pas arrivé dégager une solution pour problème pays. On y a là tout monde a suivre comment Edgar Leblanc fils pral gérer Saint-Mois là. Moun qui pral venir après Edgar Leblanc fils ça, li pral assurer que lui même il fait mieux que Edgar Leblanc fils. Alors que si tu as une feuille de route qui te dégage intérêt ma intérêt en conseil intérêt ensemble conseiller yo pas ta bon challenge pas ta bon question bon veiller côté tel pral tomber moi même pour me lever bon garder côté tel pral casser dans moi même pour me prendre précaution etc. parce que yo t'a connaît ces bagaille pays qui vient régler Smith Augustin le pral monter de octobre à mars pour le faire petit temps parlant. Mais moun ki pral vini après Smith Augustin, chaque moun gen agenda pa yo, chaque moun gen groupe moun pa yo, chaque moun gen clan pa yo. Li pral veye kote Smith Augustin pral kase dan. Li pral veye kote l pral tombe pou li même pou l vini pou l remonter la pente. Alors que si monsieur te entendu yo di ah, c'est Haïti d'abord, c'est la population, c'est moun sa yo kap soufri, c'est pour yo n pral travail, c'est pour yo n'ap bataille, mbo garanti. Compatriote haïtien Frèchem, depuis le conseil a été installé 25 avril, jodi en 14 mai à la compatriote haïtien Frèchem, nous tapons au moins, plus ou moins nous tapons bien temps, ouais, qui bagaille, reprenne une petite solution, petit résultat qui a venu petit coulier, mais nous pas ouais, rien, petit mari pas monter, petit mari pas descendre. Donc tout ça, c'est pour me dire, nous compatriote haïtien Frèchem, par rapport avec Jean situation pays a là, par rapport Jean et bandi yo même, yo montre yo ka etan tentakul yo ka continue impose force yo rien continue faire la loi conseil présidentiel ça si yo pa mette yo en mesure réellement pour yo faire intérêt pays a passer avant toute bagaille et bien pita pral pitris et c'est nous même
dans la population civile qui continue à payer pour te casser. Compatriotes haïtiens, frères, je ne vais pas cacher, dis-nous, la situation tête chargée qui a passé dans le conseil présidentiel de transition en un moment-là. Il y a plusieurs points qui sont sous table. Sécurité, conseiller président, yo. Nous avons des questions salaire à privilège. Nous avons des questions l'armée américaine, soldats américains qui sont sous sol. Et bien, trois points, ça, yo. Leslie Voltaire lui-même lui t'a répondu à une question sous yo. Leslie Voltaire déclaré, Leslie Voltaire, c'est représentant de la famille Lavalas dans le conseil présidentiel. Yo posé Leslie Voltaire question. Depuis plusieurs semaines là, il y a un avion américain, il y a un avion US Air Force qui a débarqué dans le pays là, qui portait équipement, qui portait matériel pour construire base, qui portait des équipements pour la police. Qui ça Leslie Voltaire qui a bail comme information sous question et avion militaire étranger ça qui a rentré dans le pays là. Leslie Voltaire t'a pral répondre pour le dire. Attendez bien oui mon yo. Leslie Voltaire déclaré en tant que conseiller président, présence avion militaire sa yo, présence l'armée américaine dans pays, eh bien ça pas relevé de conseil présidentiel là, ça relevé de ministère affaires étrangères. En tant que conseiller président, yo même yo pas qu'on ait aucune information, c'est semaine ça. Attendez bien oui, c'est semaine ça, compatriotes haïtiens frères chum, gagne une réunion qui prévue avec ambassadeur américain Denis Hankins pour yo connaître de quoi il en est. L'homme tendait Leslie Voltaire qui fait pareille déclaration, me dit oh non, me dit oh non, là nous foutu. C'est comme si conseil président, c'est comme si conseil présidentiel là, yo pas au courant de ensemble de bagaille qui a passé, yo pas ba approbation yo, c'est gouvernement démissionnaire Ariel Henry qui continue à engager nation. Si ce gouvernement démissionnaire qui continue à engager nation, qui wall qui fonctionne conseil présidentiel ça dans moment n'a parlé à là, yo même qui ça yo a exécuté, qui mission, qui ça yo rien comme programme. Compatriotes haïtiens frères, là nous vraiment mêlé dans une situation compliquée. Deuxième question que tu as posé Leslie Voltaire, c'est dans ça qui gain pour avec privilège. Pas oublier que le conseil présidentiel, le compatriote haïtien Frechem, a un ensemble de privilèges, a un salaire, yo, comment il va le toucher. Eh bien, le conseil président, Leslie Voltaire, il va déclarer le compatriote haïtien Frechem que c'est encore semaine ça, il a bien pour le chita avec le premier ministre intérim, Michel Patrick Boisvert, qui va déterminer. Comment yon pral touche, qui privilège yon pral joindre. Ça vle dit, si nous bien comprenne, yon l'autre fois encore, conseil présidentiel là yon ta subordonné avec Patrick Michel Boisvert. Nous pas un nèg yon gon ti bagay yon kache pays. Nous pas un nèg yon gon ti bagay yon kache population haïtienne. Alors que même conseil présidentiel ça, yon mandé avec gouvernement démissionnaire là, yon mandé Patrick Michel Boisvert. Toute nomination te fait yo pour retourner sous yo et puis yo dou c'est Patrick Michel Boisvert qui pral déterminer comment salaire comment privilège pral bay yo pral séparer gâteau là déjà n'a comprendre compatriote haïtien frères chum bagay yo pas fin clair bagay yo pas fin trop normal en dedans conseil présidentiel transition non question sécurité nous gagne ou dit ça non qui déclaré hier que Régine Abraham, yo t'a pral remarqué Régine Abraham dans Caribbean Market dans Pétionville avec près de 20 policiers qui bal sécurité. Ça devient bien oui. 20 policiers pour Régine Abraham seulement qui bal sécurité. Et Leslie Voltaire, ça Leslie Voltaire arrive confirmer seulement c'est que conseiller présidentiel yo moun qui fait partie de conseil présidentiel yo si c'est pour sécurité yo prend gros disposition pour sécurité yo mais le pas rivé bail yon effectif pour dire est-ce que c'est 20 policiers est-ce que c'est 10 policiers est-ce que c'est 5 policiers est-ce que c'est 15 policiers mais li fait konnen moun qui fait partie de conseil présidentiel yo yo genye blindé à la disposition yo yo genye policiers à la disposition yo pour sécuriser yo par rapport avec climat insécurité qui vient là. Donc, nous comprenons,
Le moun gresi ap kouri pou bandi, polisi ap kouri parce que yo pa ka jwenn renfor yo. Même ça nous tap di pou moun Ariel yo, et bien jounen jodi an la bagay la multiplié. Parce que insécurité a plus, conseil présidentiel là yo très mal vu, yo pa apprécié, yo pa vle wè yo. Donc yo assure yo prend toute disposition pour yo garanti sécurité. Donc par rapport avec situation ça, nous gon pays qui livré à lui-même dans mes bandits, dans mes gangs. Et puis moun ki sensé là pour résoudre problème de sécurité a, yo prend tout policier yo ta supposé mettre à la disposition de population, yo renforce sécurité pa yo, yo renforce sécurité proche, yo renforce sécurité famille yo et puis population la gen des bras balancés, des bras balan. Mais réalité qui gagne jounen jodi a compatriote haïtien frère sœur. N'avance, information yo a continuer. Non dossier déploiement force multinationale là. Eh bien, population haïtienne nan toujours divisée, très mitigée. Gen moun ki d'accord, gen moun ki pas d'accord. Nous gagnons Rosemont Jean qui lui-même li réagit. Nous connais nan dernier jour sa yo gagnons épidémie nan pays Kenya. Et premier troupe yo yo a sorti droit direct nan pays Kenya. Compatriotes haïtiens frères et gen yon pile précaution qui supposé prendre. Et passage président américain dans pays États-Unis, William Ruto cap gagner pour débarquer États-Unis, cap gagner pour débarquer Washington et 23 mai prochain cap gagner pour venir là, et bien communauté haïtienne gagner gros mobilisation cap préparer, gagner gros manifestation cap préparer dans Washington pour al bay une réponse piment bouc par rapport avec présence William Ruto et surtout avec ingérence États-Unis à faire dans sa qui gen pour avec politique en Haïti, position de force que États-Unis gagne, pression qu'a fait etc. pour faire déploiement, pour faire intervention force multinationale dans le pays. Et bien nous gagne heureusement gens qui lui-même li réagit, qui salde, qui position, comment comprendre bagay là en attendant et garder ensemble avec explication détail que heureusement Jean lui-même li a bay. Nous pas gagne senti pour Kembe. Qui kakembe yon diarrhée, nous pas de conditions sanitaires pour traiter diarrhée, on sent diarrhée, voire jeudi à mener nous dans Ebola. Voire jeudi à mener nous dans yon choléra encore. Parce que 3-4 soldats au Kenya, si vous regardez les documentaires qui sont sur yon, tout est subi, non, yon même quand yon adapté à maladie, choléra, nous allons faire face à choléra et Ebola. Mais, et les pays, mais ces dames qui font politique seulement pour être calme, pour manger, mais pas gagner des visions du pays, ils sont d'accord. Il y a le pot de tête par CARICOM. CARICOM, comme vous savez, qui va gagner, qui a dit, non, rien comme Haïti comme pays libre qui en donne, qui a besoin de réduire le pays à eux-mêmes, à niveau, dans la dimension, dans la taille, et bien, ils sont d'accord pour les États-Unis, la France, le Canada. Mettre ensemble pour exterminer Haïti. Mais ce qui est plus grave dans tout ça, c'est Wall. C'est Wall prépondérant. C'est Wall vital. C'est Wall important. La presse haïtienne a joué dans la destruction Haïti. Ça, nous voulons nous retenir. Je parle de la presse. Je ne parle pas seulement. Je ne parle pas de nous. Vous comprenez, nous n'avons pas de responsabilité. Les patrons médias qui désignaient un ensemble de nègres, soi-disant des pseudo-analystes politiques, chaque matin dans les médias, dans la radio, puis à convaincre, puis à préparer l'opinion, puis à faire l'opinion accepter ce qui est venu sous le pays. Moi-même, j'entendais de patrons, de nègres analystes dans la radio, pendant que l'Amérique parlait de 60 millions de dollars. D'aide pour Kenya, yo même yo transformé le qui c'est pour l'aide et pour l'armée d'Haïti avec la police nationale américaine voué 60 millions. Alors que nous avons un haut cadre dans l'armée d'Haïti qui dit si yo ba nous deux chars d'assaut, yo chars d'assaut, yo ba nous deux véhicules blindés, yo ba nous un hélicoptère de guerre. Nous ne pouvons pas prendre 3 mois pour mettre l'ordre dans le pays. Les Américains viennent avec la loi, ils évoquent la loi. Ils disent que la loi américaine ne permet pas de
gouvernement américain financer la Médaïti, bail la Médaïti, matériel militaire. Est-ce que vous oubliez ça? Est-ce que vous avez un Sénat américain? Est-ce que vous avez l'autre loi qui prend? Nous-mêmes, la presse, qui a des yeux, qui a des oreilles, qui mène l'opinion, qui fait, je dis, si vous n'avez pas accepté cette crée, nettement crée là, patron média, les grands médias, les dinosaures médias de la presse haïtienne, c'est eux qui travaillent, ils ont injecté l'argent dans eux, et puis chaque matin, ils ont fait mission sur lui. Mais au même militant, ils font une déclaration pour dire non à ce qui est sous le pays. Pour dire que vous comprenez ce qui est passé dans le pays. Vous faites conférence pour motiver les gens pour comprendre ce qui est fait là. Ils viennent dire c'est vrai. Ils ont ouvert la conférence là. Mais ils ont passé 7 secondes, une minute, 7 secondes. Après ça, analyse qui compte travail, qui a fait travail technique là, il parlait près de 30 minutes sous information sur une baille là. Ça veut dire façon d'effacer ce qu'on dit là, parce que personne ne peut retenir 15 minutes, 3 minutes, ou bien 1 minute où ça fait parler là, les gars fait une heure de temps parler sous lui, ou bien 30 minutes parler sous lui, ou même 100 minutes retenir. C'est la dernière information qu'on retenir. On va retenir ce que tu as dit déjà. Tout ça rentre dans le cadre technique, stratégie pour faire nous. Une bataille de communication pour faire pays accepter l'occupation. Les États-Unis ne sont pas venus aider nous. Ils ont traîné nous dans l'occupation militaire. Et qui passe sous contrôle de l'ONU. Que l'ONU n'a pas gagné pour un génocide qui a planifié ce pays. Voilà. Voilà, compatriotes haïtiens, frères et sœurs. Nous sommes attendus aux gens qui travaillent ensemble de détails. Et aux Je suis de très près. Parce que je ne dis là, véritable sujet de débat, yo, médias traditionnels, ce n'est pas ça que débat. Yo débat ça qui n'a intérêt patron. Yo débat ça qui n'a intérêt boss. Yo débat ça qui n'a intérêt qui a aidé plan yo gagnant pour arriver à coucher. Plein yon gen pour yon rive et abouti avec lui. C'est pas sans raison ou yon paquet média jounen jodi an la. Gon gen, nan façon gang yon ap déstabilise pays yon, nan façon bandi ap déstabilise pays yon, ça pas vraiment préoccupé yon. Si patron yon, si boss yon, moun kap finance yon, kap bay yon l'argent nan finance gang, ou pense yon pral vraiment focalise sou question sa? Parle de gang yon, se dénonce patron yon, se dénonce boss yon, yon pap jam dénonce boss yon. Donc, je ne dis pas à la compatriote haïtienne, frère Sam, nous avons un travail de société pour nous faire, nous avons un engagement nous devons prendre pour nous bailler un coup de main dans le pays, pour nous bailler la République un coup de main, parce que Haïti n'est pas carré comme ça. Trop complot sous le pays. Petit pays a fait complot sous le monde, a fait complot sous le pays, ce n'est pas possible. Compatriote haïtienne, frère Sam, nous gagnons commissaire Ernest Muscadet. Et hier, gros amis qui partageaient un audio avec moi, un voice, côté que gang bandi a exam dans la coupe pays d'Haïti, yo planifié pour yo touyer, pour yo assassiner, pour yo éliminer commissaire Muscadet. Son bay qui bay a réfléchi parce que objectif nèg yo c'est rivé prendre Miragouane, rivé prendre contrôler département ni plan, an installer chef gang yo dans grand gouave pays. Hier, on t'a parlé ça. Et li extrêmement important pour commissaire Muscadet vigilant, pour commissaire Muscadet faire prudent parce que li a terre. Li a terre même Jean Muscadet avait bandi, au bandi avait Muscadet tout. Hier dans une vidéo, m'a regardé Jean commissaire faire nèg yo voler rat, voler gaguer, bandi gressier k'ap couri. Alors que yo té vini, yo té pensé c'est yo k'ap fait la loi, mais là yo joine moun ki autorité tout bon. Là yo joine moun ki comporte l'en vrai chef. Les bandits ont pour courir. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous connaissons déjà le commissaire Muscadet, il n'a pas jamais dans tête la gang, il n'a pas jamais dans tête la bandit. Le commissaire Muscadet, il a une position pâle par rapport avec la question de sécurité, par rapport avec la question de bandits en dedans pays. On nous a entendu ensemble avec qui ça, le commissaire Muscadet lui-même, il a répondu suivant la question qui était posée sous question de gang, insécurité et capta et banda dans la coupe pays d'Haïti. En allez. Donc, ni plan pour quelque soit raison, ni pas besoin de territoire perdu. Jamais. Il n'y a pas de mètre carré dans ni que du tison ça a un côté inédit matin, mon bagabaté, il n'y a pas de ça. Quel que soit côté, dans ni de 3 heures du matin, on est capable. Si on côté dans ni mon bagabaté, même je vais le dormir là. Si on côté là, je vais là, au caille, à 15,
Tigouave, Gouave, Moun, Bakabassé, Koude Samal Domila. D'ailleurs, du côté de Tigouave, il y a un gang négro tanti. Et Métis, qui c'est gang, c'est-à-dire les. Il y a un gang négro tanti, mais Tigouave, mais sauf que nous-mêmes, nous ne sommes pas négro. Gang, ça a une haute tension. Et rêve négro, c'est plein négro qui installe à Tigouave. Oh. Mais ferme confiance, nous commençons à faire échec avec plusieurs négro. Depuis que nous venons de Miyagouane, nous avons pêché, nous croisons les négociants, nous avons pêché. Point barre. C'est comme ça, c'est comme ça nous faisons, c'est comme ça nous tout fait, sans campit, sans relâche, sans peur, sans crainte. Et ceci nous fait de concert avec les commissaires du gouvernement. Quand est-ce qu'il était limité, je me dis, et j'ai dit ça, parce que Miyagouane, je me dis, je dis, négociants vont attaquer sur 27 000 km carrés. C'est parce que je me démontre les négociants que je voulais servir la population, je ne suis pas attaché à Job. Ok. Est-ce que nous avons eu des comment je dis à la dame, monsieur le commissaire gouvernement, pour me débarquer et une plage nanique, pour me débarquer dans le restaurant, pour moi, Yézou, ou bien une petite appli, chita dans le restaurant à manger. Petit bout de bas. Yeah, chita dans le restaurant à manger. Si vous avez amnistie. Dis-moi, comment vous m'avez journaliste ou d'après elle? Bon, à cause du crime que vous avez fait, je dis à la dame, pour amnistier les gens, vous avez des millions de mais vous avez de l'argent, vous avez fait toute la gagne dans le pays. Donc parce que négarer mes dames, ça veut dire pour négarer pas puni même. Bon, quand d'accord négarer mes dames, bon, on a choisi pas et bon, pas voler dans le cimetière. Exactement. Mais faut négarer puni, faut négarer en peine. Sinon, tout le monde prend la bandit. Pour selon le commissaire Muscadet, question amnistie pour bandia ou pas entrer dans la logique. Pas comme ça. À travers le monde ça va fait. C'est quoi j'aime faire à travers le monde pour protéger les gangs. L'État qui peut protéger les gangs, l'État qui peut attaquer les gangs. Ok. Mais souvent, et M. Bandi a toujours dit que ce n'est pas eux-mêmes qui ont été aux amnes. Et il y a bien des patrons. Mais ils font les amnes, ils font les. Avec 9 mm, il y a des frises, les policiers, ils prennent 9 mm, ils viennent 2 mm. Avec 2 mm, ils viennent, ils frisent 3 autres policiers, ils frisent 3 autres. Avec ça, ils font les amnes. Ok. Est-ce que si pas. Par chance et par aventure, et où tu connais, il y a un gros patron, ça y est, et cap bay, ti monsieur Ozam nan ghetto, tu as croisé. Est-ce que grand patron, ça, et les sujets pour le subir même sort avec bandit, ça? Quel que soit le pays, qui a financé bandit Ozam, qui a financé assassin criminel Ozam, n'est-ce pas, ni plan, il va gagner la donne. Et ferme confiance. Quel que soit le titre, je ne sais pas si tu es titre. Dès que tu es un homme, ou un agent, ou un passé, ou un bâle de bandit, ou un bâle de bandit, non? Et même dans le grand sud de la paquette de mon voisin, tout le monde est arrivé. Ok. Et ça fait jouer d'avoir une équipe dans le département, ou du moins dans le grand sud là, qui est censé être un cavale. Parce qu'ils attendent à n'importe quel moment qu'ils croisent avec eux. Et si vous regardez même tout le monde, ils sont tous en foule. Ok. Donc, ils sont prêts pour une bataille. D'accord, commissaire. Il y a quelqu'un qui voulait faire tête passer pour commissaire Muscadet. Yo mette photo commissaire là sur profil yo, yo dit que yo c'est commissaire Muscadet, il a traité avec moun. Ça c'est des directeurs qui sont en train de la capture faire l'argent. Mais sauf que on était avec tout le monde et commissaire Muscadet gien que WhatsApp, bas sur Instagram, bas sur Facebook. Quel que soit moun, qu'elle n'a pas avec tout monde sur Instagram. Ou elle n'a pas là une monde sous Twitter, ou elle n'a pas là avec une monde sous ou va l'arrêter, pas qu'on nous. Oui. Et on va aider. Et Facebook, bagage. Facebook, yeah. TikTok. C'est le WhatsApp qui m'a. Et mon WhatsApp qui c'est 40 70 27 28. On dit c'est 40 70 27 28. 27 28. Sous mon voile l'envoyer là, j'aime pas au monde. Parce qu'on n'a pas là avec sur Instagram, on n'a pas là avec sur Facebook. On n'a pas là avec les sous n'importe réseau social, ça fait pas. Mais on parle de numéro digicel. Oui, mon digicel. Qui est 38 40 58 68. Ah, rien, confirme. C'est sous deux numéros, ça seulement où on est capable de jouer. Commissaire Muscadet parle, il y a un numéro si on a besoin de contacter. Pour nous parler, prendre Muscadet de la cathédrale, ni sur Instagram, ni sur X, ni sur Telegram, ni sur TikTok, ok? Et bien, qui message vous voyez par les détracteurs ça aussi ou un détracteur t'a tombé en bas mais quoi enquêter sur vous pas besoin peu enquête là va finir enquêter. OK. D'ailleurs grand dame très souvent c'est qu'elle prend l'argent yo. Gagne nom dame là, gagne photo, gagne pièce. Oh. Et au bon matin tombé sur lui.
dans la juridiction là, dans NIP. Et il y a des choses que je ne peux pas dire. Ok. Et il y a un petit monsieur qui a écrit, qui a parlé avec moi, et bon, c'est dans le sud du pays. Ok. Ok. Donc, il n'y a pas de choses. Et ceci, il y a subi un sort qui n'a pas de jambes de connaître dans la vie. Ok. Moi, je fais confiance. Et même, je marche tout Paris, dans la rue. Depuis que je suis dans la rue, tout Paris, toute police, je marche tout Paris. Et voilà, compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous sommes tendés, commissaire Ernest Muscadet, qui lui-même lui a donné des détails sur la question de gang, sur la question de bandit. Nous connaissons déjà, le commissaire Muscadet a toujours aimé dire, juridiction ni plan Miragouane supposé être cimetière pour tout bandit. Et les gars, ils ont deux choix. Soit ils quittent le métier ou bien ils mourent là-dedans. Donc Muscadet est toujours déterminé, toujours montré le dévoué. Et dernière action posée dans Grécia, là, il montre son chef et un chef pas en jouette. Compatriote Haïtien Fréchem, commissaire Muscadet, li mérite réellement pour nous balle toute valeur. C'est pas le pas bon, pas là pour nous dire pas bon, t'es bon. Mais ça l'a fait, la façon l'a dissuadé des bandits. Et nèg vraiment nous, depuis le commissaire Muscadet arrive en côté, c'est peur ou peur, c'est la guerre ou la déjà, c'est courir ou courir, prendre bonne pour yo, rentrer en barrage. Donc c'est ça nous besoin. Nous besoin moun qui suscite crainte, qui suscite peur, qui fait bandit peur, l'œil en côté. C'est pas LB, depuis LB en côté, ouais, tout bandit paraît, boule figure, comme si c'est patron, c'est papa ou t'es là. Non. Bandit doit courir devant l'autorité, et puis, point final. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous allons finir l'émission, mais avant d'aller, il est extrêmement important pour me rappeler au projet 26 mai. 26 mai, quand vous venez là, occasion fait maman yo, en Haïti, nous allons porter support, nos contributions, qui choisit ça nous gagne, ça nous serre pour femmes, pour mesdames. Yo. Donc, objectif là, c'est arriver dans le 26 mai, partager un petit en moi, pour ton petit en moi, pour ton petit qui choy, montrer femme ça, yo, moun ça qui n'ont situation vulnérable, montrer yo, gen moun kap pense avec yo, gen moun kap pense pour yo, et yo se moun tankou tout moun. Donc, occasion ça, compatriotes haïtiens frères et sœurs, occasion cap spécial, cap très spécial, parce que yon bagay ki extrêmement important, nous voulons faire dans le jour. Donc, pour le arriver possible, c'est contribution nous toutes, c'est ensemble pour nous arriver faire. Donc, ou même qui voulait pas en coûte, mais qui voulait supporter, qui voulait utiliser 26 mai pour porter un petit mot sur l'argent, un petit cœur content, et dans le visage, dans le cœur, pour mettre un petit sourire sous visage en grande femme haïtienne, pas hésiter. Les mecs, dans le numéro d'émission 38-96-38-19 pour dire à Nick, mais comment vous voulez participer? Mais comment vous voulez contribuer avec vous dans le projet si la map tant nous? Et j'aime toujours un médil, bye petit, pas dit chiche. Et pas vrai? Exactement, c'est ça pour Verblanc dit. Donc, n'a pas quitté là, je dis dans l'émission. Restez connecté à la chaîne là. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et nous dit mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat.